Histoire du soir, le loup, le limaçon et les guêpes. En ce temps-là, les bêtes parlaient. Un jour, le loup marcha sur le limaçon. « Tu es bien méchant, loup, dit le limaçon, de fouler ainsi aux pieds le pauvre monde. Si je voulais, je courrais plus vite que toi. Parions que je t'essouffle, toi et tes compagnons. » Toi ? Pauvre limaçon. Moi, loup, sois ici avec les tiens demain au lever du soleil et nous verrons qui de nous arrivera le premier au bord de la Garonne. Nous y serons, pauvre limaçon. Le loup reprit son chemin. 20 pas plus loin, il marcha sur un nid de guêpes. Tu es bien méchant, loup, de fouler ainsi aux pieds le pauvre monde. « Nous sommes petites, mais nous n'avons pas peur de toi. Parions que nous te ferons noyer, toi et tes compagnons. »« Vous, pauvres guêpes ?»« Nous, loups, sois ici avec les tiens demain au lever du soleil et nous verrons si vous tarderez à être noyés dans la Garonne. »« Nous y serons, pauvres guêpes. » Le loup reprit aussitôt pour aller avertir son monde. Alors le limaçon dit aux guêpes, « Mes amis, mandez tout votre monde, le mien ne manquera pas à l'appel. Cachez-vous dans les saules qui sont au bord de la Garonne. Moi et les miens, nous vous amènerons les loups. Tombez sur eux au bon moment et piquez-les jusqu'à ce qu'ils se jettent tous à l'eau. » Limaçon, c'est une affaire convenue. Les guêpes partirent donc pour faire ce qui leur était commandé. De son côté, le limaçon espaça les siens de 5 en 5 pas jusqu'à la Garonne. Le lendemain, au lever du soleil, les loups et le limaçon étaient à l'endroit marqué pour le départ. « Y es-tu, limaçon ? » ?»« J'y suis, loup. Partons !» Les loups partirent au grand galop. Tous en courant, ils criaient « « Où es-tu, limaçon ?»« Je suis ici, loup !» criaient les limaçons, espacés de 5 en 5 pas. Quand ils furent au bord de la Garonne, les guêpes sortirent des sols, comme un nuage, et tombèrent sur les loups à grands coups d'aiguillon, en criant « Au poil ! Au poil !» Les pauvres loups plongèrent dans l'eau, d'où ils n'osaient sortir que le bout du museau. « Au nez ! Au nez !» crièrent les guêpes en tombant sur le nez des loups à grands coups d'aiguillon. Tous les loups furent noyés et les limaçons et les guêpes revinrent chez eux bien contents. Histoire du soir, le loup,